Good morgen, Aleidan et tu seras aujourd'hui, Lélo Nishmat, Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal, Lili Rachel Bat Asher et Hana Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude, nous allons contacter les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhat Shkalim, Perek Zayn Mishnah Gemel, Basar Shinim Saba Azara, Evarim Olot, Vachatichot, Chataot, Birushalayim, Zivre Shalamim, Zevazet et Ubar Tsurato. Veyetse le bet asrefa. Nimtsa bagulin, evarim nevelot, khatichot mutarotu. Bishat regel, shabasar merube, af evarim mutarim. Au quotidien, dans notre chapitre entier, on s'intéresse à ce qu'on appelle des tliot. En hébreu, c'est qu'on fait dépendre les choses. Quand on voit une situation, on cherche à l'interpréter. Est-ce que ça vient du rov, d'où ça vient? On a commencé à parler des coupotes, des urnes où on mettait l'argent en bet amigdash, qu'on trouvait de l'argent qui se trouve au milieu. Et du coup, on est en train de passer toutes sortes de sujets. On a parlé de l'argent qui se trouve à Yerushalayim, c'est la mission précédente. À quel endroit? Est-ce qu'on va dire qu'elle provient du Maaser Sheni? Et là, maintenant, on va se retrouver dans notre Mishnah, maintenant, à parler de viande que l'on trouve dans différentes situations, dans différents lieux. Ça peut être au Beth Amikdash, ça peut être dans Yerushalayim. Comment interpréter quel statut leur donner? Dans le doute, on ne sait pas d'où ça vient. On n'a pas de raison de tout interdire d'office. Interdire, c'est aussi des fois, ça pose aussi des problèmes. Comme ce qu'on va découvrir justement. Alors, Basar Shenimtsa Ba'azara. De la viande qui se trouve d'abord dans la Azara. On est dans le Beth Amikdash, dans l'ensemble du Beth Amikdash. Là, on fait les korbanot et on trouve là-bas de la viande par terre. Il y a eu plus de kohanim qui sont là et un morceau de viande qui restait posé. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Il restait sur une table. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah me dit, alors ça dépend. Evarim ou Khatichot, il y a deux possibilités. Soit Evarim, si c'est un membre entier, ou si c'est une Khaticha, c'est un morceau de viande qui a été coupé, tranché. Si c'est des Evarim, si c'est un membre entier, alors dans le doute, on va supposer que c'est une Ola. Tandis que si c'est des Khatichot, si c'est des Khatichot, des tranches qui ont été coupées, alors là, dans le doute, on va supposer que ce sont des Khataot. Les Korban Khatat ou même Hacham, ça revient au même. C'est-à-dire, quand un korban Ola, hein, le korban Ola, alors il faut sectionner les membres, puis ensuite faire monter les membres entiers, les faire brûler sur le Beth Amikdash, sur le misbéach. Tandis que quand c'est des Khataot, une fois qu'on a donné les graisses qui doivent monter sur le misbéach, le reste de la viande, on les mange par le Kohanim. Si le reste de la viande, on les mange par le Kohanim, la viande, on va la couper en tranches, comme on a l'habitude de couper de la viande. On ne fait pas cuire des morceaux de viande gigantesques d'un coup. En même temps, on les tranche. Donc du coup, la Mishnah nous dit, si c'est des gros des bouts entiers, tu supposes que ce sont des holotes. Et si c'est des khatichot, si c'est des tranches, eh bien on va dire que c'est des khataot. Et si tu trouves de la viande, des khatichot qui se trouvent birushalayim, à Jérusalem, dans toute la ville, alors dans le doute aussi, on va supposer que ce sont des ivrei shlamim, des korban shlamim. Pour quelle raison des shlamim? Très simple, parce que la majorité de la viande qu'on avait à Jérusalem, c'était de la viande des korbanot qui étaient des shlamim, ou peu importe, des korbanot qui étaient kolashim kalim. Vous savez qu'il y a des korbanot. Il y a les kochi kolashim, ils doivent être mangés dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, pas les kohanim uniquement, et le reste, tous les autres korbanot, shlamim, zifre, toda, bechor, maaser, bechor c'est les kohanim, maaser, korban pesach, tout ça ce sont des parts qui sont mangés à Yerushalayim, et donc tu vas leur attribuer un statut de shlamim. Mais attention, ça ne veut pas dire que je te permets de les manger. Zevaze te'ubar tsurato veyetse le bet asrefa. Celui-ci comme celui-là, tu devras être ma'avir tsurato, te'ubar tsurato. Je vais expliquer, tu devras le laisser passer une nuit ou deux nuits selon le cas, comme on va préciser dans quelques secondes. Tu devras le laisser passer une nuit qui devienne complètement pasoul pour le brûler. C'est-à-dire qu'il y a une halakha, en fait, tout est fondé comme ça sur une halakha. Comme il nous dit le Bartanoura, les fiches nifselou be'esechadat. Il y a une halakha pour les korbanot, et même pour la viande, on va en parler un petit peu après. Pour les korbanot, en tout cas, c'est sûr. S'il y a eu une viande qu'on a eu un hesser hadat, on l'a perdu de vue, on n'a pas contrôlé, alors on ne peut plus la manger. On va savoir ce qui a pu se passer. Peut-être qu'elle était impurifiée, peut-être qu'elle était... Elle a perdu, on ne peut plus la consommer. La Mishnah me dit donc, c'est vrai, tu trouves une viande, tu vas supposer que c'est une ola, c'est un khatat, c'est un shlamim, mais tu as un problème aussi. Elle a été perdue de contrôle. Elle a été non contrôlée pendant quelques temps. On va savoir s'il n'y a pas eu une impureté qui l'a touchée. Dès que ça a été perdu de vue, alors tu ne peux plus consommer. Alors quoi?
à quoi ça sert de dire que c'est un khatat ou c'est un shlamim. En fait, c'est justement par rapport au din de Teubar Tsurato. Vous savez qu'un korban, on est limité pour le manger dans certaines conditions, de temps par exemple. Un shlamim, j'ai 2 jours et la nuit du milieu pour le manger, tandis qu'un khatat, j'ai juste une nuit. Une ola, c'est pas du tout consommable. Et donc, dès que la nuit. Donc, ça se passe comme ça. Il y a, quand tu trouves un morceau de viande, dans le doute, on ne sait pas ce qu'il y a eu dans l'histoire. Peut-être qu'elle est du jour même et qu'elle a encore apte à être mangée en théorie. Puisque tu ne sais pas, tu devras la laisser passivement passer la nuit et le jour, ou si c'est un korban shlamim, tu le laisses passer 2 jours, et la nuit du milieu bien sûr. Et comme ça, on va. Après, c'est sûr que la viande ne pourra plus être consommée. Une fois qu'elle sera plus consommable, tu pourras la brûler. Mais on ne va pas te permettre de brûler la viande telle qu'elle en l'état, dans le doute, parce que tu ne sais pas c'est quoi son statut. Parce que peut-être que c'est une viande propre à la consommation et tu n'as pas le droit de la brûler pour rien. D'accord? Je continue maintenant sur la Seifa. On n'est plus maintenant à Yerushalayim. On est Nimtsa Bagvulin. On est dans les Gvulin, dans les villes de tout Israël où il y a des juifs. Alors, de nouveau. Evarim nevelot, chatichot mutarot. Si tu trouves des membres entiers, alors dans le doute on va supposer que ce sont de la viande nevela, qui a été impropre à la consommation, la shrita a été mal faite. Tandis que si c'est des chatichot, si ça a été tranché en tranches, sectionné proprement, alors là, ça a été préparé pour être consommé, on va, dans le doute, on va les permettre. Apparemment, la Mishnah me permet à la consommation. Ça touche à un grand problème. Mais pour le moment, la Mishnah a l'air de me permettre à la consommation. Donc il faut préciser quelque chose, qu'on parle d'une ville où il n'y a que des juifs. Comme ça, le partenaire explique. On parle d'une ville où il n'y a que des juifs. Donc c'est sûr que ça ne provient pas d'un goy. Parce que si ça provient d'un goy, on a un autre problème. Même si, en théorie, on a le rov qui va me dire que ça provient du rov, mais on ne pourra pas manger, parce que vous savez qu'il y a une halakha de basar shenita'alem mina'ayn. Si vous avez un morceau de viande que vous avez laissé, qui a été perdu de vue, et qu'après vous le retrouvez, vous ne pourrez plus le manger. Il y a une halakha de basar shenita'alem mina'ayn. Et c'est d'ailleurs une halakha qui pose plein de problèmes. Tous les mefarshim, ils parlent longuement sur ça, de comprendre exactement comment il est le cas de la Mishnah, à cause de ce problème. Basar shenita'alem mina'ayn, un basar qui a été disparu de la vue. Il y a une histoire, vous avez sûrement déjà entendu, l'histoire avec Rabbi Nathan Lipschitz, qui était sans arrêt appelé à la cour royale, et qui faisait des repas avec eux, il mangeait sa propre viande. Une fois, il y avait eu un curé qui il avait changé l'assiette avec la viande, et quand il est revenu, il n'a pas touché l'assiette. Pourquoi? Parce que la halakha, elle dit que non. Et le curé, il a dit, c'est de la folie, ces juifs, ils ont prévu tous les coups. On a essayé de lui... D'accord? Il y a une basar shenita'alem, une viande qui était perdue de contrôle, on n'a plus le droit de la consommer. Même si vous la retrouvez... Après, si vous avez un siman dessus, alors peut-être que oui, peut-être que non, ça touche à d'autres détails. Mais en tout cas, si c'est une viande que vous avez, vous n'êtes pas... Vous supposez, je suis venu, j'ai posé mes courses... J'ai posé un sac avec de la viande en bas pour monter et faire mes courses, dans l'ascenseur, et j'ai laissé le sac en bas, je suis monté, je redescends. Est-ce que c'est ce sac? Je ne reconnais pas le sac. Logiquement, il y a combien de personnes qui ont dit, est-ce que je peux reprendre ce sac? Le rov, on est 90% de juifs, qui c'est qui achète le goy qu'on a ici dans le binyan? C'est un végétarien en plus. Malgré tout, tu as perdu la viande de vue, tu n'as plus le droit de la consommer. D'accord? Je mets ça de côté et je reviens maintenant sur notre Mishnah pour mieux préciser. D'abord, quand tu trouves des membres entiers qui sont jetés dans la rue, alors il faut savoir, qui c'est qui a des membres entiers? Vous connaissez un boucher qui vend des membres entiers? C'est sûr que non. C'est sûr que dans ce cas-là, s'il y a des membres qui sont jetés entièrement, c'est que la viande, elle a eu un problème quand elle a été égorgée, elle a été mal faite, et du coup, on l'a donné à manger aux chiens. On l'a laissé, on l'a jeté dans la rue, comme ça, les chats, ils pourront venir manger s'ils veulent. Tandis que si c'est des ratirotes, c'est des tranches, c'est permis en théorie. Maintenant, on a un problème à cause du bassard de Janitalem et Naïn, il y a deux choses à dire. Premièrement, le Tiferet Israël n'est pas dans le sens. Il nous précise qu'on parle de Seigneur, c'est nul, il n'y a que des juifs, donc il n'y a pas de goy. C'est sûr que c'est permis. Malgré tout, il y a un Mina, il rapporte malgré tout qu'il y a un Ramam qui interdit apparemment, je ne connais pas bien ça la route. Il y a un Ramam qui semble interdire même quand il n'y a que des juifs, parce que dès qu'elle en a perdu. Donc du coup, il y a une autre possibilité d'expliquer, c'est que la Khatirot Mutarot, ça veut dire qu'elle est permise, on ne va pas te la permettre à le consommer, mais dans le doute, on va supposer que c'est une viande cachère, donc celui qui va la manger, il ne va pas être frappé. À la différence du cas où la nevela d'en haut, s'il la mange dans le doute, on va supposer que c'était de la nevela, il va être même être frappé parce qu'il a mangé une nevela, comme c'est propose le Pirush Rivevan ici. Et le Tiferet Israël, il rapporte qu'en réalité, même d'après un Rambam, selon la loi stricte, c'est permis, seulement c'est comme une sorte de minag, comme ça, d'interdire. C'est une autre éventualité. Ça influence aussi que, dans le doute, celui qui va toucher cette viande, il ne va pas devenir impur, alors que si c'est de la nevela, il va devenir impur. D'accord? C'est dans le sens qu'on a dit que c'est mutarot. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, Ubishat Aregel, Shabbasar Merubé, et à une période de fête,
où il y a plein de viande de partout. Et alors là, en fait, il faut préciser que Af Evarim Mutarin, même les membres, ce sera permis. À la période, on a dit que lorsque tu trouves un membre entier, c'est assourd parce que dans le doute, qui c'est qu'il y a des membres. Donc c'est que c'était une évela qu'on a jeté pour les chiens. De la viande coupée, c'est de la viande qui était prête à la consommation, donc elle est permise en théorie. Pendant la période de fête, même si tu trouves des membres entiers, c'est permis. Pourquoi? Alors comme ça, il rapporte en fait que l'usage, il était apparemment de faire beaucoup de mangal, de faire des barbecues, ou des, je sais pas, on faisait cuire des morceaux de viande entiers. Et du coup, donc, comme il y avait plein de viande, alors dans le doute, on va dire que non, c'est sûr que la viande d'une part qui était permise. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.